Salut tout le monde, c'est Okona et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des 1v1. Oui, c'est possible de faire des 1v1 sur League of Legends, même si ça ne reflète absolument pas votre niveau de jeu sur League of Legends. On va s'amuser en fait avec des abonnés, des gens que je connais bien. C'est pour ça que s'il y a du troll, ne vous inquiétez pas, c'est du beaucoup, beaucoup de second degré. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en stream pour justement vous, que vous puissiez faire des 1v1 contre d'autres gens et gagner des skins, des RP ou des subs. Si vous arrivez à gagner 3 fois d'affilée, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. On prend ça relax, même si vous perdez contre un bronze et que vous êtes diamant ou plate, il n'y a aucun problème. Je rappelle que les 1v1 ne reflètent absolument pas votre niveau de jeu. On est là juste pour s'amuser, have fun les gens, petit montage pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et on vous attend sur Twitch pour vous affronter. À tout de suite tout le monde. C'est soit premier kill, soit le premier à 100 CS, soit la première tour qui tombe. On a le droit aux soins, on a le droit aux champions qu'on veut. Oui, tu as le droit à ça. Et puis c'est parti. Pas besoin de ça pour te défoncer. Donc no stress mec, tu sais que c'est juste pour ma vidéo. Ah, t'as vraiment brillé Miss Crank. Mais si je gagne, c'est l'humiliation pour toi, t'es au courant. Clairement, clairement. Et je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui vont jouer des picks ultra stylés comme Blitzcrank, vous serez récompensés, évidemment. Parce que là, c'est pas un skin mystère que tu gagnes, mais c'est deux skins mystères que tu gagnes. Ah bah, et comment ça? Ah bah, là les beaux gosses, évidemment, sont... On est là. Sont récompensés. Donc en stream par contre ça va être différent, vous allez faire des 1v1 avec d'autres personnes et pour gagner en fait un giveaway, donc soit des RP, soit des skins ou un sub, vous allez... tu peux m'affronter direct, hein, t'inquiète, hein, je fais mon speech mais tu peux y aller YOLO. Ouais t'inquiète, mais je suis en train de bind mes touches et tout vu que du coup... Ah ok, ah bah nice, j'ai vraiment un très très bon opposant là. Il faudra rester 3 tours en fait, vous allez devoir gagner 3 fois d'affilée pour gagner un giveaway. Parce qu'évidemment, sinon, je peux pas faire gagner du giveaway. Toi, tu t'avances comme ça. Hein. C'est très risqué. C'est très, très risqué. Tu ne peux pas faire ça. Et là, en fait, voilà, c'est déjà gagné. Donc, ça va très, très vite. Hein. Vous le voyez, ça va vraiment vite. J'étais en train de parler à mon chat. J'étais en train de regarder mon chat. J'avais pas vu qu'il était autant avancé. Nouveau record. Écoute, on va recommencer demain. Alors, non, mais c'est bien. Alors, faites attention, quand vous jouez un mage, prenez l'objet Lost Chapter, celui que j'ai en ce moment, avec 2 potions. C'est vraiment un objet qui va vous permettre d'avoir presque de la mana infinie et des bons pools d'AP, parce que je vois des gens qui prennent pas ça. Donc, quand vous êtes un mage, prenez ça la plupart du temps. Toi, t'as pris n'importe quoi, en plus. Oh, le grunter. Faites attention au buisson ici, ça peut aller très très vite. Hein. On voit parce qu'on a souvent pas de points de vie, donc ça peut aller... très très vite. Ouais, on peut Alt F4, on doit Alt F4 pour reset la game. C'est parfait. Non mais c'est un très très bon exemple, mec. Parce que Zoe Talia, c'est quand même archi fort en 1v1. Non, t'inquiète, je vais te montrer. Ça va, tu sors des trucs stylés. Mais tu vois, moi j'ai de l'enjeu, tu vois, c'est quand même un free giveaway, ouais, je peux pas sortir une Soraka. Donc là, petite astuce, quand vous arrivez en retard ici, n'allez pas dans les buissons. Sinon, on vous attend et vous allez pouvoir mourir très très vite. Vous pouvez check les buissons comme ça, hop, tranquillou. Voilà, là, tu sais qu'il y a personne, du coup, tu peux t'avancer. Là, tu vois, tu peux par exemple balancer ça vite fait, comme ça il prend des dégâts. Donc je rappelle, hein, premier kill sans cesse ou premier tour. Oh, j'ai déjà un ballon. Bah super. Bah c'est gagné, hein. Ah, c'était quoi ça? C'était une tentative? C'est une tentative. Écoute, c'est bien de tenter. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, c'est quoi ton build? Ah oui. Pas le temps de niaiser, quoi. Pas le temps. Ah. Pas de chance, hein. Non mais le ballon c'était unfair, tu vois, je l'ai pas pris, c'est pour ça, tu vois, j'ai voulu faire le mec beau jeu, quoi. Ouais. T'as combien de farm, là? 6. Oh, le bâtard, mec, mais attends, mais tu farmes. Mais tu farmes trop bien, en fait. Là, c'est du hint, hein. Là, c'est du hint, mec. Hein. Clairement du hint. Oh, je me prends tous les dégâts d'équipe, là. Pourquoi j'ai flash? Ouais, ok, j'abandonne. Au calme. Ça va. Mais en tout cas, merci, Frouin. Tu sais que j'admire, tu vois, ce beau jeu-là. Et j'ai limite envie de te donner un skin mystère juste par ton beau jeu, mais je le ferai pas. Allez, à plus, hein. À plus. Silver 3, niveau 106, 3 fois mon level. T'es censé gagner. T'as littéralement 3 fois mon level. En level du jeu et en elo. Donc t'as le droit à n'importe quel champion, premier kill, sans CS ou premier tour, soit l'un, soit l'autre, ou soit encore l'autre. Tu prends ce que tu veux. Et bah, have fun, mec. Bon, du coup, celui d'avant, il était vraiment nul à... Ah, oh, t'as même pas pris Bard. J'ai cru que t'allais prendre Bard. Oh, le bâtard. Ah bah, heureusement que j'ai pas pris Zoe ou Talia, toi.
Oh, je vais t'exploser. 2 hours later. Alors évidemment, si vous avez des ordinateurs de merde, n'hésitez pas à participer, hein. Faites-nous plaisir d'attendre 10 minutes pour le chargement. C'est vraiment un plaisir. Day 2. Mais mec, je vais te détruire. Tu sais, je voulais faire le beau gosse en mode je vais te laisser une chance. Je vais rien te laisser, je vais trahir de mes morts. T'auras jamais ce skin mystère. Tu feras attention, t'as un peu de ping. J'ai du ping, je m'en fous. Il faut que tu t'arrêtes pour le charger, c'est un peu dur. Yes, attention. Allez, hop. Moins 20%. Qu'est-ce que tu fais là? Cache-toi là. Ouais, vas-y, je te veux pas te voir, mec, dégage. Moi, je vais trahir mes morts. Qu'est-ce que tu fais? Ouh, putain. Ouh, c'est chaud. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu vas te prendre le E, regarde, hop. Et bah merde. J'ai pris le E. Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est pour push, hein. Regarde, non, je push. J'ai goûté. T'auras pas le soin. Je vais prendre. Alors, c'est 100 CS, premier kill ou. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comme ça, tu prends pas le farm. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez. Hop, t'as plus rien. Hop. T'as 2 CS, c'est bien joué ça, hein. Ah merde, j'en ai 2 aussi. Bah toi aussi, t'en as 2. Hop. Mais comment ça touche pas ça? En fait, mon champion est OP. Hop, le petit fake. Fais pas le fou. Ok, je fais pas le fou, c'est bon, je me casse. Oh merde, le soin. Merci, mec. Non, c'est fini. Ah, merci, bien joué. En tout cas, c'était une très très bonne game, hein. Oh, le dernier tick. Ah, putain de sa mère. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, sa merli popette, sa merli popette. T'as, par contre, t'as pas de soin, hein, c'est dans 30 secondes, hein. Donc attends bien, hein. Have fun, mec. Hein. Ouais, mais j'attends. Je ferai attention, t'es que 6 CS. Ouais, t'inquiète pas. Allez, continue. Moi j'ai ce stun infini. Eh, mais c'est vrai, j'ai ce stun infini avec lui en fait. Vu que j'ai mana infini. Oh, mana égale point de vie. Oh, trop bien. En plus, j'ai un heal derrière là. Oh là là, trop bien. Tu sais que tu t'as pas l'XP là, tu sais ça, hein. Ils vont fou, pas l'XP. Hop, petit E. Ça rebondit sur toi, nickel. Ouais, mais j'ai un bouclier. Ouais, je m'en fous. Hop, t'as raté le canon. Beaucoup de gold en moins. Je m'en fous. Il y a Dark Chrome qui me dit allez détruire. Allez, t'es à combien de CS? Oh, 7, aïe. Ah, c'est dommage ça. Hop. Oh mince, ça te touche, ça dit donc. Oh mince, j'ai ult. Oups. 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 Bah GG mec, c'était une très très bonne game. J'espère que tu as apprécié le fait que tu n'aies pas gagné de skin mystère. Mais moi modo. Allez, autour de Dark Chrome, le red boss. Et moi modo. Et je me casse. Lui bien sûr, regarde, tu es modo là, hop. Roll. Muted. Allez, salut. Oh, j'ai gagné. Attends, j'ai gagné un coffre de le Shetsunade. Ah, mais c'est... Ah, putain. XD. A plus, Pingouin, c'était cool. Modo. Yes, ouais, bien sûr. Donc, évidemment, je les troll parce que je les connais, hein. C'est des abonnés ou des modos comme le Red Boss ici, Darko. Je n'ai jamais gagné contre lui en 1v1. Ah, c'est du gros tryhard, là? Là, c'est du gros tryhard. Je veux montrer qu'on est capable de tryhard en 1v1, parce que là, j'ai eu des gens qui faisaient un petit peu les foufous. Là, on va passer au mec le plus gros tryhardeur de l'univers. Du coup, évidemment... Qui dit tryhard, dit main. Est-ce que je joue sur du classique ou... Qu'a-t-il pris? Main Yorick, top. Que va-t-il jouer? Oh là là là, le bâtard. Ouais, et ouais. Les champions de distance comme Xerath, Vel'Koz, c'est extrêmement fort en 1v1. Moi, j'ai pas osé sortir le Yorick cette fois. Ah, mais je comprends. Tu vas regretter. Pourquoi c'est fort en fait les mages en Aram? Bah, c'est tout simplement parce que tu peux prendre un Lost Chapter. C'est l'objet qui te permet d'avoir pas mal de mana à chaque montée de level, et du coup en Aram, vu que tu montes de level, bah toutes les secondes, mana infini, spam infini, dégâts infini, victoire infinie. Putain, trop stylé. Ne nous dérange pas, nous sommes en 1v... Ok, pardon. Hop, c'est bon, il est mort, c'est bon, je l'ai baisé, le modo, je l'ai baisé, c'est ma première victoire. Oh non! Oh, il a voulu faire le fou! Il a voulu faire le fou! Non, mais ce buisson-là, wow, les gens, trop risqué. Ne prenez pas ce buisson-là, c'est trop risqué. En fait, je crois que j'étais. En fait, je pensais être beaucoup plus rapide que toi, vu que j'ai eu des boosts de mur. Ah, mais j'avais même pas pensé, j'ai trop aimé. J'ai même pas eu trop de bonus finalement.
Donc voilà, si vous voulez vraiment tryhard, faites très attention à ces murs-là. Si vous avez un champion qui peut aller un petit peu plus vite, vous pouvez tester, mais sinon, restez ici. Mais parce que là, en fait, il va avoir l'avantage. C'est comme ça que j'ai perdu contre Shinosh. Parce que non, j'avais 36 fois son level. Bref, on peut alt F4, désolé. Oh, c'est content, j'ai pas perdu. Oh, je suis content. Et du coup, là, par exemple, j'aurais gagné 3 fois d'affilée et j'aurais remporté le giveaway. Maintenant, c'est à vous de jouer. On vous attend sur le stream aujourd'hui, maintenant. À fun, les gens. Et à tout de suite. Bonne chance, tout le monde.